La politique de gestion des carrières, elle a pour objectif déjà principal d'avoir la bonne personne au bon moment et au bon endroit. J'ai commencé en 2015 à l'ouverture de la résidence, donc en tant qu'animatrice. J'ai été à ce poste pendant 2 ans et demi et ensuite j'ai évolué vers un poste de référente animation sur la région. Au bout d'un an d'expérience, le travail d'équipe m'a beaucoup manqué, alors j'ai souhaité revenir en résidence à un poste là, d'adjointe de direction. Je suis arrivée dans cette entreprise en tant que directeur de résidence et petit à petit, voilà, on m'a fait confiance, on a été bienveillant, on m'a aidé, on m'a formé, on m'a rassuré, accepté aussi que je fasse des erreurs à des moments à un autre et puis du coup aujourd'hui voilà, j'ai évolué sur un poste de directeur développement pendant quelques années et pour être aujourd'hui au poste de directeur de l'exploitation. C'est une grande fierté pour nous de voir évoluer beaucoup de collaborateurs avec de plus en plus même de changements de carrière. J'ai eu beaucoup jusqu'à présent de promotions, je dirais un peu naturelles au niveau des postes, avec des services qui ont grossi, qui ont grandi, etc. Mais on voit de plus en plus de gens changer carrément de métier. Quand je suis arrivé, il y avait 10 résidences, on était un petit service, une petite structure, on était 2 dans le service achat. Mon manager m'a fait évoluer en même temps qu'elle a progressé, que le groupe a progressé. J'ai réussi, on va dire, à grandir en même temps que le groupe. En intégrant le groupe, j'ai senti vraiment que ça faisait partie de l'esprit du groupe et de la politique RH du groupe, de faire évoluer, de se baser vraiment sur les ressources internes. La personne que j'ai recrutée pour faire le commercial, finalement, très vite, je me suis rendu compte qu'elle était plus orientée gestion et c'est devenue mon adjointe. Elle avait 21 ans. On me disait qu'elle était trop jeune. En fait, moi, j'avais bien compris que j'avais affaire à une pépite. Le manager, c'est un peu l'acteur incontournable dans la gestion de carrière des collaborateurs. Ils vont les sensibiliser sur leur souhait de mobilité géographique et fonctionnelle. Et notre rôle, justement, à ce moment-là, c'est vraiment de l'aider et de l'accompagner au mieux vers cette évolution. Quand j'ai contacté ma responsable pour lui dire, voilà, Saint-Brieuc, ça me permettait de revenir chez moi. Elle a pris note tout de suite de ma demande, elle a fait le nécessaire pour que les choses se passent bien. Il y a peu de groupes où on va repérer vos talents et vous proposer des postes qui correspondent à ce que vous savez faire. C'est une vraie opportunité et une vraie chance. Domitis, par son activité, par ses valeurs, permet de grandir. Donc aux collaborateurs de saisir leur chance de grandir avec nous, mais d'abord de grandir eux.